Les amis, j'espère que vous êtes prêts à souffrir. Pachinko, un jeu de fou. 365 Nichi, le jeu de pachinko de ouf. C'est le titre. Putain, vous imaginez les jeux comme ça? Ça veut dire quoi? C'est une référence à l'année? C'est quoi ces vieux focus anti-lumière? C'est horrible. Alors, comme la plupart des autres productions du même genre sur Nintendo 64, Pachinko 365 Nichi se divise en deux phases. La première où l'on déambule dans la salle de Pachinko, super intéressant, en vue subjective. Et la seconde qui affiche la machine sélectionnée. Ouais. Pour le reste, le principe est toujours le même. Il faut lancer des billes, tourner la molette, les regarder tomber et recommencer. Ce concept très particulier avait bien peu de chances de passionner un public occidental. Pachinko 365 Nichi n'a donc jamais été commercialisé en Europe ou aux USA, on comprend pourquoi. Sorti le 29 mai 1998. Nul, nul, nul et nul. Alors, combien j'avais payé ce jeu? Je crois que c'est celui-là, oui, que j'ai payé 80 yens, c'est pour vous dire. Ça fait même pas 1 euro, tellement c'est nul. Alors, ce qu'on va faire, nous, zéro ta gueule. On va faire une partie, et puis vous allez voir qu'on se fait chier. On va faire du pachinko. Oui, vas-y, vas-y, joue la première salle qui vient. De toute façon, on va tous crever. Oui, bonjour, je viens jouer au pachinko. Merci de me laisser tranquille. Donc là, ça y est, je peux me balader. Ouais. On va prendre la machine à droite. Tout à l'heure, on est près gauche. On va prendre la 13 là. La 13. Ouais, gâteau, putain, c'est exactement comme ça au Japon, je te jure. J'arrête pas de parler et de dire le même truc. Ouais, vas-y, joue, n'aie pas peur. Allez, c'est parti. Alors, attends, la molette, c'était comment? A et B. A pour appuyer, enfin, pour mettre sur le côté droit et B sur le côté gauche. Bon. Voilà, ça fait bouger les machins. Et ça fait des trucs. Et des bidules. Et tu gagnes des points, des scores et des machins. Voilà. C'est le pachinko. Putain, qu'est-ce qu'on se fait chier. Moi, j'aurais jamais acheté ça. Hein. Il y en a un autre derrière, mais il est plus drôle. Ouais, ça met tout à gauche, on va tout mettre au centre. Qui va se passer plus de trucs. D'ailleurs, on voit des mecs jouer. Zéro, toi t'as gagné 1. 1 dollar. Ouais, je sais même pas quoi vous dire, hein, sérieux. Parce que on avait déjà testé un jeu de pachinko. Et là, on est encore sur un jeu de pachinko. Mais alors, c'est tout ce qu'il y a de plus basique, quoi. Donc, si vous n'êtes pas fan du genre. Regarde à gauche, il me reste plus que 75 des balles. Ça va se terminer. Il est 10h08 du matin. Ils me remettent le D-Day à droite, BA pour tourner. Ouais, mais il se passe plus rien depuis un moment. Ça m'a remis des balles, non? Ou alors j'avais coupé le flux avec Z ou R, je sais plus. C'est bas, ça met le menu. C'est droite, ça fait quoi? C'est pour remiser. C'est droite. Et c'est bas, on avait dit. C'est pour voir ton score là. Ah, je suis mauvais quoi. Là, je sais pas. Et ça, c'est le temps passé. T'as des statistiques et tout. Au cas où tu ferais des scores de ouf. Bon, bref. Ça fait des machins là. On va attendre que ça fasse du scoring. C'est ouf là, on fait des points. Bon, la musique elle est enivrante quoi, ou vraiment. Je sais pas ce qui se passe là, mais je crois que je gagne des jetons. Ça arrête pas de tourner là. Donc moi je touche plus rien. Que se passe-t-il? Vas-y, fais un triple 7.
crois que j'ai trouvé une bonne position parce que alors, ça arrête pas de tourner quoi. Nul. Ah c'est fini, ça y est. C'est que c'était pas si bien. Moi j'ajoute des pièces là, vas-y. Carte, il m'en reste 10 à gauche. En fait c'est... il me faut que tu utilises ta carte bancaire. Faut appuyer sur ses droites. Du coup ça me donne des jetons. Game over. Ah non, c'est sur ta carte. Bah voilà, je prends 3000. 30. Ah ouais, c'est 30 paquets de billes, sûrement. Enfin bref, voilà, 24 cash, il m'en reste 24 000 yens. Ça fait quoi le reste des options? Je ne sais pas. Ça non plus. Tu peux bouger le truc, hein, mais bon. Ouais, il y a moyen de bien se faire chier quand même. Hein. Genre, hé hey mec, tu dis pas ça à ton copain, ton pote. Tu dis pas, ouais, j'ai un nouveau jeu de 64, trop bien. Non, non, là, tu dis pas ça, là. Hein. Là, t'es pas fier de lui montrer ton nouveau jeu, là. Hein. C'est vrai qu'il est pas cher. Hein. Parce que ça a chier quand même. Hein. Bon, on a passé quand même 6-7 minutes du pachinko. Hein. Regardez ce qui se passe. Donc, on va passer à la suite. Il y en a encore un. C'est par leur pro. Allez, les amis, il faut savoir arrêter. On va rester sur un 3-3-2. On laisse tourner une dernière fois. De toute façon, il n'y a pas grand chose à voir. Hein. Qu'est-ce qu'on se fait chier quand même? Putain, il n'y a rien à voir quoi. Oh. Ah, ça y est, ça tombe. Allez, après, on arrête. Comme quoi, c'est bien nul. 1, 4, 1, 4. Ah, il se passe un truc là. Ça y est. Il y a une musique différente. Et c'est fini. C'était nul. Je sais pas du tout ce qui s'est passé. Aucune idée. Bon allez, on va arrêter là-dessus. Et on passe à Parlor Pro. C'était encore du pachinko. Allez, à bientôt les enfants.